Bonjour, c'est Joseph. Je suis à la frontière au Monégasque, c'est décrit, hein, près du pâte des Mounougou. Au pied des gratte-ciel, celui-ci c'est celui du parc Saint-Romand. Il est 7h18 et j'ai mis le bonnet aujourd'hui parce qu'il fait très très froid. Bien, nous allons y aller. On va direction Italie, vers l'est. Cette départementale monte vers la moyenne corniche, nationale 7. Nous allons rester sur la basse, la 98, pour aller vers la frontière italienne. On passera à Roquebrune, Menton, et on s'arrêtera à la frontière. Alors on va dire un petit au revoir à la principauté, qui est là. Il y a un petit peu de circulation, nous sommes en semaine. Nous avons quitté la principauté depuis quelques centaines de mètres. Je vais traverser. Voilà, c'est fait. Je regarde si vous êtes toujours là. Ah ! Avec le frais, là, j'ai le matériel qui souffre. Mais ça fait rien, nous sommes bien là ensemble. Ah, j'ai perdu un morceau, je le vois, c'est rien. On répare. Ah, j'arrive pas bien, un instant. Voilà, c'est réparé. Vous êtes toujours là. Vous êtes merveilleux. Je trottine doucement pour commencer. Quartier Saint-Romand, passé. Là, vous avez le country club avec le Hall Beach. La maison La Vigie au fond. Regardez. C'est tous des lieux de promenade, de parcours que nous avons fait ensemble. Le soleil est en train de se lever. Et cette fois-ci, nous allons vers lui. Plein est. Je vais vous montrer le central. Il est où le central? Il est au fond, regardez. Il est au fond. Il y aura au mois d'avril, il me semble, les championnats internationaux de tennis. L'épouse m'a dit qu'il faisait 4 degrés, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié, en tout cas avec le bonnet ça va. C'est le matériel qui souffle, c'est tout. De toute façon, s'il lâche, je reprendrai en plusieurs parties cette séquence. Je vais absolument vous montrer, à partir de la principauté, le parcours vers l'est. C'est un petit peu nuageux sur la Corse. Ce matin, nous ne la voyons pas. Il faut qu'il y ait des conditions météo très particulières et on voit son reflet. Si un jour j'ai à la fois la caméra et je me trouve avec la possibilité de la filmer, je le ferai. Ça arrive très rarement. Voilà. Regardez. C'est ce que nous avons fait là.
Je regarde toujours l'heure au moment des départs, parce que les séquences sont limitées en temps pour que la batterie, la mémoire et les téléchargements des plateformes, toutes les conditions soient réunies. Alors je surveille la durée des séquences. Et puis comme ça je sais un peu mes moyennes aussi. J'aime bien faire des moyennes acceptables. Un petit chemin qui mène vers la cabane du Corbusier qu'on a filmé lors d'un précédent parcours. Et là, si vous pouvez voir la maison de la Vigie, voyez, sous un angle différent, non touristique, le Old Beach, où toute la jet set vient pendant l'été. Voilà, bien sûr, je crois qu'ils sont plutôt aux Bahamas. On peut pas leur en vouloir. Ah, enfin c'est vivifiant qu'il fasse frais. Bon ça va, moi, tant que le matériel tient, moi ça m'est égal. Je me couvre et puis c'est tout quoi. Au-dessus je peux mettre encore des gants, une laine de plus. Et je réduis le temps d'exposition moins longtemps. Merci monsieur, bonne journée. Très aimable, il m'a laissé passer. Vous avez vu, la route a été... Merci madame. À l'intérieur de la roche, vous voyez là. Hein. Et ici, vous avez le point de vue sur Rocoboon Capartin. Qu'on a fait. Et le soleil qui se lève, il est déjà haut, mais dans les nuages. Il est masqué par les nuages. Ah. Il y a un peu moins de monde. Il va y avoir un feu rouge qui les retient. Tout le monde très aimable. Ils sont adorables. Non seulement ils m'encouragent, mais bon, avec les années, ils me reconnaissent. Et quelques liens de sympathie se sont créés d'une manière inattendue. Gens adorables. Oui. Vous avez entendu là, c'est la navette du sang qui fait Montournis, c'est là qui m'a cliqué là, avec leur klaxon électronique pour me saluer, c'est gentil. Un autre, c'est que sur tout mon chemin, je vais de sang en sang pendant que je cours. Je vais vérifier là qu'il y a un petit peu plus d'espace pour voir si vous êtes toujours là. C'est ma grosse crainte que ça coupe quoi. Ah oui oui oui, la petite lumière rouge est là. Comment je suis là avec l'habillement hiver hiver 2016-2017. Et le record derrière, vous êtes magnifique. Un autre coureur. Bonjour monsieur. Le mec aime bien aller où travailler, en courant ou à la fraîche, s'entraîner. C'est vivifiant, c'est dopant en fait. On a beaucoup d'énergie. Merci, bonne journée. Très gentiment, on nous laisse passer. J'ai dit nous parce que vous êtes là. Alors moi tout seul, il me laisse passer aussi. Regardez là ce parking incroyable. La vue qu'a ce parking. La voiture a de la chance. Avec la plage du golfe bleu et le vieux village de Roquebrune. Avec son arbre millénaire que vous avez visité et son château médiéval, me semble-t-il, du 10e siècle. Territoire de la principauté jusqu'en 1800. J'ai pas la date exacte, jusqu'au 19e siècle en tout cas. Le soleil perce là-bas,
Ça va faire réchauffer la température. Vous le voyez, vous le voyez? Il est là-bas, plein est. Et nous, là, la route nous fait serpenter un peu vers le nord-est, est. Tout à l'heure, on sera beaucoup plus est. On a une première montée. Et après, c'est bon, c'est du direct. On aura une rue piétonne, bon, très peu fréquentée tout le matin comme ça. Et on s'approchera de la frontière. Allez, cet endroit sublime ici. Regardez ça. Le cap qu'on a fait avec la résidence de génie, épouse Napoléon III et l'élève du Barros qui lui avait une demeure très modeste. Ça n'empêchait pas de faire preuve de créativité pour ses clients. Dans mes déplacements, lorsqu'il y aura une bâtisse dite du Corbusier, je vous la montrerai en présentation à part. Cette créativité a marqué l'histoire de l'architecture. Un petit peu mouché. La température est dans, je sniffe. Ah. Et on s'approche du village. Et quand on sera à ses pieds, parce que bien sûr on ne va pas monter aujourd'hui, nous l'avons déjà fait lors d'un précédent parcours. Vous pouvez le voir, il a déjà été publié quand vous regarderez cette vidéo. Ça marche, ça court. Je fais un petit 9 km/h. C'est assez joyeux, c'est pas évident. Je t'aime bien. Je vous en montrerai le plus possible dans un temps réduit. Alors vous êtes au pied du village médiéval. Un petit coup d'œil à la technique. Bon, le bonnet il est bleu. J'en prendrai un autre la prochaine fois, d'accord. À demi-saison, j'ai une casquette. L'année, j'avais acheté un bonnet à les Monaco. J'avais un grand succès. Ouais, je l'ai trouvé quelque part. Il faudrait que je l'emmène. Le rouge et blanc aussi, nous, pour les automobilistes, nous voit plus que ce bleu clair. Bon, cette année, je retrouverai ce bonnet et je vous le montrerai. Allez Monaco. Parce que j'aurai un dernier coup d'œil à la principauté quand on sera dans la montée, c'est-à-dire dans 1,5 km à peu près. Vous avez dans la Pinède là-bas une maison en forme de chalet, mais tout en verrière. D'ailleurs, beaucoup de luminosité dans cette maison. Et ici, face à vous, en arc de cercle, un immeuble. C'est assez impressionnant. Ils ont épousé la forme des deux collines en enjambant comme un pont en fait inversé. Ah, les architectes, ça donne un cœur joie ici. Les espaces sont réduits et ils font pas de créativité en fonction de leur cahier de charge. C'est tout à leur honneur. Ah, on va ralentir parce qu'il y a... Ah, je sais pas. Je pensais que c'était une ambulance, mais rien. C'est juste un véhicule d'intervention, aucune idée.
nous sommes à côté de cette bâtisse. Beaucoup de logements, bien sûr. Et nous longeons toujours ce trottoir magnifique le long de cette nationale. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, on a un incendie parce que ça serait catastrophique ici. Mais là, bon, l'hiver, il n'y a pas de danger parce que c'est assez humide finalement. Alors je fais trois parcours principaux. J'ai commencé par les parcours d'entraînement que je mettrai dans une playlist séparée. Et là j'ai commencé, je ne les ai pas encore publiés à l'heure à laquelle je vous parle. Mais quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà fait. Et à partir de la principauté, j'ai fait trois directions principales. Ouest qui me vient naturellement. Hein. L'avenir c'est l'ouest. Disaient les chercheurs d'or. Donc ouest, nord et est que nous commençons aujourd'hui. Voilà, et à mon rythme, je vais continuer ces trois chemins, trois parcours, au maximum de mes possibilités, pour vous offrir trois directions différentes et aller à votre rencontre quelque part. En tout cas, il suffira de faire le chemin contraire pour venir à la mienne de rencontre. Puisque le point de ralliement des trois est la principauté. Point de départ et point d'arrivée. Les cordes, lumière rouge, je vois des sourires ici, c'est que vous êtes bien avec moi. Bonjour. Là c'est le chemin qui mène à la pointe des Douaniers et au golfe bleu pour aller au Cap Martin et rejoindre en fait l'endroit où on va aller au final. Moi j'aime les routes et les routes relient les personnes dans le monde entier tous les jours. 7 milliards de personnes sauf ceux qui sont empêchés bien sûr pour des raisons singulières mais sinon qui leur sont propres, mais sinon 7 milliards de personnes sont sur les routes tous les jours à un moment ou à un autre. Ah, c'est l'occasion de les rencontrer et moi j'aime les routes, j'aime les gens et j'aime les rencontres. Alors c'est un win-win et c'est pour ça que je vous le montre. C'est une démarche. Allez là, on rencontre des autres d'une manière particulière. Ce que j'aime moi c'est lorsque la séquence est terminée, que je range ma caméra, je reviens bien sûr sur mes pas, hein, et alors je marche en général, et c'est là que les gens me rencontrent, ils viennent vers moi, ils me disent « on vous a vu passer tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ?» Et je trouve que c'est génial ça. Alors je leur en parle. Et quelquefois il y a des sympathies qui se naissent comme ça. Par le hasard de la rencontre. Ah, le jour se lève, la température monte aussi. Il faut encore moins d'une demi-heure et après je pourrais quitter mon bonnet. Pour l'instant, il me tient bien chaud. C'est les extrémités qui souffrent le plus quand on court. Enfin, bon, une perte calorifique n'est pas mauvaise. Condition qu'elle soit à la fois mesurée et maîtrisable. On rejoint le chemin
Vous voyez les escaliers qu'on avait pris pour aller voir l'arbre millénaire. C'est là-bas. Et c'est de là-haut que j'ai pris ce point de vue sur la principauté que, bah, écoutez, je sais pas, 6000 personnes ont apprécié sur Facebook. Voilà, vous voyez, je vous la remonte, là, en plus au lever de soleil, avec lumière rasante, c'est un régal, regardez, regardez. Voilà, nous avons de la chance, hein. C'est un ravissement des yeux. Prendre la montée qui se trouve au fond et continuer. Alors il y a marqué autoroute de côté Italie par bord de mer, mais on va passer par l'intérieur. Regardez ça, le point de vue, ça c'est du point de vue. De mon point de vue. Je vois qu'il est partagé, hein, ce point de vue. On va tourner ici. En personne. Peut-être on aura la gentillesse de me laisser passer. Merci. Et c'est fait. Et là, pareil. Carrefour toujours dangereux, soyez prudent. Et nous continuons à avoir ce panoramique absolument sublime. Regardez, je vous le refais lentement. Et maintenant, nous allons vers l'Italie. D'abord, le point ultime. Voilà, château de Roquebrune-Cabartin ici, à 2 km, nous l'avons vu. Ah. Ouh, là-haut, je m'hydraterai un petit peu, parce que c'est pas parce qu'il fait frais que je ne dois pas boire d'eau. Au contraire. L'effort est soutenu. Ça monte, ça monte. Alors on est parti à 0,9, il est 41. Alors 41 moins 9. 31 si c'était 10. Alors c'est 32. J'en ai fait la moitié. Enfin, je sais pas si on va y arriver. Mais c'est pas d'importance. La prochaine séquence démarrera après la frontière. Parce que je ne filme pas les frontières, évidemment. Oui, question de sécurité, puis aussi tranquillité. C'est normal que ça soit interdit de filmer, mais je préfère moi aussi de toute manière, c'est plus pratique. Si on me demande les papiers ou quoi, j'ai les mains libres. Et voilà. Et là on va être face au soleil. La pause sera bienvenue. Voilà. Je vous tourne un petit peu parce qu'on est vraiment dans l'axe de notre astre. Alors attendez, je vais m'hydrater. Là il y avait un arrêt de bus, je préfère avancer un petit peu pour pas leur donner un signal qui serait pas le bon, que j'attends le bus alors qu'en fait je m'hydrate. Voilà, je vous pose quelques secondes ici, hein. C'est pas très heureux, alors comme ça, attendez, voilà. Voilà.
Et je garde encore un petit peu le bonnet. Très gros camion là. La technique, la petite lumière rouge. Le soleil est là-bas, nous y allons. Hein. Record. Il y en a un qui m'a demandé si je l'avais flashé. Mais non, c'est juste une caméra pour immortaliser le chemin et pas du tout pour connaître votre vitesse. Est-ce que c'est vrai, ça ressemble à un flash radar? Il n'y a pas de problème. Ah, nous sommes un petit peu masqués là, le soleil est masqué. Nous sommes toujours face à lui, mais nous voyons bien la route. La montée est terminée. J'entends les moteurs qui sont soulagés, la petite voiture. Voilà. Et là, c'est la Nationale 7, la fameuse, qui se termine à peu près par là, je crois. Et qui a commencé à Paris. Il me semble, place de Notre-Dame, kilomètre zéro. Et là, ça doit être le dernier kilomètre, ou alors un petit peu, ça doit un petit peu continuer. Mais on va regarder. Alors, il y a toujours le record. Still recording. Voilà. Ah, c'est la frontière géographique avec l'Italie que vous voyez. C'est le village Sainte-Agnès qui surplombe. Je fais une présentation, c'est celui, c'est je crois le village en altitude le plus proche de la mer. C'est un ratio et c'est celui qui est numéro 1. Plus proche de la mer, plus haut. Là on le voit. C'est la descente de l'attaque. C'est bien chaud, c'est bien. La montée a été bienvenue pour chauffer mes muscles, l'articulation. Et là, la température m'aide aussi. Elle remonte avec le lever de jour. Et voilà, vous avez la vue sur Menton là. Vous apercevez tout au fond. Et le ponton rocheux, c'est la frontière naturelle, transalpine. Il y a des travaux ici. On va un petit peu contourner. Rien de bien méchant. C'est juste que quand il y a des travaux, il faut regarder deux fois les véhicules qui n'ont pas une conduite habituelle. Et bien sûr, les engins de travaux sont très peu manœuvrants. Voilà, c'est fait. Belle descente, hein. Qui me récompense de ma belle montée. Nous allons en parallèle de cet engin de travaux. Pelleteuse, je ne sais pas comment on appelle. Qui est complètement à contresens, il doit y avoir un feu en bas. Là, je vois pas monter de véhicule et deux, franchement, il est en plein dans l'axe. On reste à distance, on va absolument à la même vitesse.
aucune idée à quelle vitesse, mais on y va en même temps. On retrouve les barrières de la National 7. Ils sont là, sur le côté. Vous les voyez. Tout au long de mes parcours, vous allez les retrouver, emblématiques. Et on va quitter la zone de travaux. Je vais faire arrêter les véhicules, je m'arrête moi aussi et une manœuvre. Vous permettez que je passe, monsieur? Je peux passer avec la caméra? Merci. Les travaux continuent. On sort à une fin, il y a un coureur là qui monte très courageux. Je vais lui demander un petit peu là, le dénivelé, il doit connaître. Bonjour. Bonjour. Vous avez le dénivelé là de la montée? Bonjour. Le dénivelé de la montée. Ah, je sais pas, non. 7, je dirais 7-8% quand même. Pas parce loin. Que je vous ai mis dans la caméra, j'ai dit c'est aussi bon tout fort. Hein. Pas, 7, pas loin. Pas loin alors. 7-8%. Pas loin, j'ai dit. Ah. Allez, continuons. Le gars est bien courageux parce que descente est agréable. Mais je sais que la montée, il faut faire preuve d'abnégation et de concentration sur ses foulées. C'est pas évident. En tout cas, il montait d'un bon pas. Ah, rien d'essai, y'a personne. Et les travaux, ils ont peut-être empêché les gens de monter. Je pensais qu'il y avait un feu rouge, mais non. Ils ont dû faire passer ailleurs. On a la moitié moins de circulation comme ça. J'aurais pu aussi demander si on pouvait passer. Bon, j'ai pas eu le temps, j'ai vu qu'il avait pas envie tellement de parler non plus. Ouais. Et là on rejoint, vous voyez. La fin du cap. Et là avec notre soleil, magnifique. Dès que j'ai fini la courbe, je regarde si vous êtes toujours là. Bon, à partir du moment, ça fera de toute manière une séquence magnifique. Alors qu'à 09, il est 51, c'était que 18 minutes qui reste pour l'heure. Ça fait 42. 42 minutes, c'est joli. Je vais regarder si vous êtes toujours là. Vous voyez, la lumière rouge est là. Regardez d'où on vient. Et nous allons là-bas, vers l'Italie. Ça descend toujours. Belle descente, trop belle montée. Mais techniquement, je fais comme ça en fait. Je vais en courant au point précédent. Voilà, cet angle-là, c'est la première, donc je pars de chez moi. Et donc là, techniquement, j'ai commencé vraiment de la frontière, parce que j'ai filmé par ailleurs, quoi. Donc vraiment un point de départ cohérent. Bonjour. Comme c'est gentil, on nous encourage. Et ensuite, je reviens gentiment et je rencontre des gens. Et ensuite, je m'arrête. Alors là, c'est chez moi, mais sinon, à l'endroit où j'ai mis le véhicule. Et je continue comme ça, par saut de puce dans trois directions différentes. Là, l'est. On est toujours sur la 7, je confirme. Je viens de voir une ancienne borne à 7 km. Là, je viens de 7. On va passer de l'autre côté.
Là, le trottoir est terminé. Regardez comment ça se présente. Côté ouest, il me vient naturellement. J'ai pas mal avancé, vous verrez les vidéos. Et je ferai les playlists globales et séparées. Et nord. Alors nord, je n'ai pas encore étudié, je verrai un petit peu, je vais réfléchir à faire un parcours plus différent, plus original. Et donc quand j'ai fini de courir, s'il y a des présentations à faire séparées avec une autre caméra, je vous les présente. J'essaye de noter les points d'intérêt majeurs en géologie, en culture ou en curiosité tout court qui peuvent vous plaire. En tout cas, faites-moi part de vos commentaires. S'il y a quelque chose près de chez vous, je viendrai le filmer dès que un de ces trois parcours le rejoint. Voilà. Bon, sud, il faudrait que je prenne le bateau pour la Corse. Voilà. J'ai pas encore prévu. Mais c'est vrai, sud, la Corse, Sardaigne et l'Afrique. Mais c'est pas au programme encore. Voilà, la salle 7 qui continue. Ah oui, une déviation là, non, c'est clair pour moi aussi. Qui leur fait faire le détour par l'extérieur pour le cap. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait la circulation que dans un seul sens. Très bien. Maintenant qu'il y a un petit peu moins de voitures pour traverser. On dirait qu'il n'y a personne, personne. Hop là, nous y allons. Ah, le trottoir est bien large là. Je peux courir. Je sens que j'ai le bonnet là, il fait frais. Je le sens même sous le bonnet, l'air pénètre. C'est exposé nord, il fait frais. Alors si on est coupé, je reprendrai la séquence à l'endroit où ça a été laissé. Ça se fait en toute simplicité. Hein. Vous êtes compréhensif. Je fais de mon mieux. Et des fois la technique me lâche. Et des fois c'est technique, des fois c'est pratique. Et je reprends l'endroit où j'ai laissé si je peux. Voilà. C'est l'idée générale. Une école. Il y a un peu plus de circulation là. Les adolescents arrivent. Soit accompagnés, soit par eux-mêmes, et il y a un petit peu de pagaille. On va faire court en passant par là. École pour un peu plus grand là. On va passer par l'extérieur. Gorge réouverte. Regardez les merveilles. Regardez, ils sont en train de mettre le joli gâteau, regardez. Bonjour madame. Regardez. La viennoiserie, la tarte, regardez. Pâtisserie, boulangerie, artisan, oui, alors c'est pour ça qu'on les voit si jolis. Oh, regardez l'angle différent. Ah, ça donne envie. Hein. Comment madame ? Prenez la dimension en photo, il n'y a pas de souci. Vous voulez que je vienne ? Si vous voulez. Ah oui, je vais le faire. Alors je vais simplement vous dire bonjour. Bonjour.
Et sur le retour, parce que là je suis en train de filmer jusqu'à la frontière. Et sur le retour, je viendrai et c'est le sourire qui peut venir, hein, plus que les gâteaux. Merci madame. A tout à l'heure. Vous avez vu l'adorable personne? Tout à l'heure, je passe. Je viendrai prendre un gâteau. Ah. Moi, j'aime cette relation comme ça, spontanée, basée sur la sympathie. Ah. Il me semble que c'est David Hume qui a développé le concept de la sympathie. Ah. C'est plus léger que l'altruisme et c'est joli aussi. Ah. On prend le trottoir. Attends, je vais regarder si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes toujours là? Record, oui, oui, oui. C'est la batterie qui se termine. J'ai vu une petite lampe s'allumer sur la batterie. On va peut-être être coupé, mais combien de minutes il reste? Plus grand chose, ça fait 51 minutes là qu'on a commencé, c'est pour ça. Alors on continue et quand c'est coupé, je reprendrai le montage à l'endroit où j'ai laissé. Eh oui, oui. Ah, la boulangerie, vous pouvez pas la rater. Alors, on va faire différemment, puisqu'on est sur la fin. Je vais aller au bord de mer et ça sera notre point de départ pour la prochaine fois. Vous devriez être dans une minute. Il n'y a que le rond-point à passer et suivre les rayons du soleil. Si c'est pas le bonheur ça, suivre les rayons du soleil, c'est philosophique. Ça c'est un indicateur. Vous voyez, la Méditerranée là-bas au fond. Alors, regardons bien. Nous y sommes. Et voilà, nous avons rejoint la Méditerranée. Ah voilà, l'itinéraire conseillé, c'est la raison pour laquelle on ne voyait pas de véhicule dans un sens. Alors ça va être la fin là, vous avez une piscine couverte, arrondie. Et nous sommes sur la promenade de Robert Schuman, fondateur de l'Europe. Et à la limite de Roquebrune-Cap-Martin. Nous avons fait le tour par l'intérieur. Et ici commencent les plages de Menton, voyez, avec l'Italie, on voit Ventimiglia, Bordighera, derrière San Remo, Nzero. Et Menton avec l'église Saint-Michel et le musée Jean Cocteau en blanc devant vous. Voilà, et c'est devant le panneau Menton que je vous dirai au revoir. Le voici, l'entrée de Menton. Prochaine séquence, on fera Menton frontière. Elle est là, hein, cette petite séquence intermédiaire. Allez, Menton. Merci, vous êtes merveilleux. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci de me suivre et de m'accompagner. Vous me motivez, vous m'énergisez. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour de nouveaux parcours et de nouvelles aventures, bien sûr. Au revoir.